Et elle retire même. Hein. Enfin, ceci dit, avec la force de frappe de Cindy. Ouais. Voilà, c'est pas. Wow, on peut y aller en confiance. Voilà, c'est quasiment un carreau réalisé par Cindy Perrault. Donc, André Martinez qui va essayer de reprendre ce point. Ça, allez, ça me paraît être tout à fait possible. Donc, oui. Donc, là, dès qu'elle va être complètement libérée et qu'elle va rentrer dans sa partie, c'est une machine. Fabienne Chapu qui a repris le point, mais pas pour longtemps, puisqu'effectivement, Cindy Perrault est là encore. Impitoyable. Et qui va laisser maintenant. Ses copines finir le travail sur cette deuxième main. Oui, on va essayer d'ajouter un peu des points. C'est important hein, d'en profiter quand on a des ouvertures. Ça va être très, très, très compliqué, même si Fabienne Chapu a réussi par un joli coup à reprendre le point. Regardez qui est là. Cindy Perrault. Bravo. Oh, oh là 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 là. C'est ça, c'est que là maintenant. Ah bah, y en a une qui a pris le pas sur l'autre. Hein. Voilà. Xavier, bravo. Vous avez bien résumé la situation. Super. C'est exactement ça. Merci Jean-Luc, venant de vous, ça me flatte beaucoup. Non, non. Ça va venir. C'est que là, c'est même que si là. Tu que tout, ouais. C'est pas grave, hein. On en a 3 devant. Essaye d'arriver c'est là. C'est que là, Cindy, c'est de celle qui est devant et qui gêne. Elles sont vite tombées d'accord, hein, les trois partenaires. Oui, oui. Et voilà, et bravo, encore bravo. Un carreau. Bien, Cindy. Donc là, bien tiré, bravo. Juste pour un tout petit rappel pour les téléspectateurs, c'est qu'il y a 9,50 m. Oui. Que Cindy, allez, fort, là, elle vient de faire allez, un carreau, un tout petit carreau longé, allez, que la première, elle avait fait un carreau pile. Un peu courte. Ça passe juste. Bravo. Voilà, la deuxième. Bien. La deuxième est la bonne. Je pense que dans les années à venir. Je pense que dans les années à venir, on va entendre parler de Cindy Perrault. C'est fort propre. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les Noirs et Jaunes. La mauvaise, c'est que Cindy Perrault se pointe dans le cercle. Bravo. Bim. Bien, Cindy. Super. Une machine, hein, Cindy Perrault. Enfin, machine, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme. Ah, mais c'est moi qui ai employé les... J'assume. Ouais. J'assume, mais effectivement, c'est dans le bon sens du terme. Ah, c'est ce qu'elle a montré depuis le début de cette finale, Cindy Perrault. Ceci dit, c'est le jeu, le carreau, ouais, ouais. Le carreau est très très près. Bravo. Quelle réponse de Cindy Perrault. Bien tiré. Bravo. Je me suis fait agresser parce que je t'accompagnais, que c'est toi qui m'as demandé. Qui? Mais non, Flo, elle m'a agressé. Tu sais pourquoi? Parce que je regardais le temps, il restait 20 secondes. Alors c'est pour ça que si je voulais pas que... C'est impressionnant. Bravo. Oh, 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 oh. Bien. Quelle démonstration de Cindy Perrault. Quelle démonstration. Les Escoda qui se présente joliment de reprendre ce point. Cindy Perrault. Et là, bravo. Intraitable, incroyable Cindy Perrault. Quel niveau de jeu, quel niveau de performance dans cette finale. Tueuse, c'est une tueuse. À moins que Léa, elle ait peut-être fait exprès de ne pas trop, trop bien tirer au départ pour nous faire voir qu'elle pointait bien aussi. Je pense que le tueur est trop bien pointé. Parce qu'elle, voilà, comme dit Fabienne, elle a tellement.